Yo tout le monde, les gens, c'est Dracosab. On se retrouve pour ce 17ème, je pense, oui, ça, épisode sur Naruto Ultimate Ninja Storm. Et là, on va continuer l'aventure. J'ai réussi à refaire en off. Bon, j'ai un peu galéré, je vous l'avoue, hein. Mais c'est fait. La mission de rang. Oh là, ça là, naissance d'une équipe, là où il fallait. Non, pas ça. Ça. Waouh, il fallait frapper avec un impact ultime. En fait, c'est un coup chargé. Évident, ils arrêtaient pas de bouger, Neji arrêtait pas d'utiliser la substitution, Shikamaru était mobile, Kiba il arrêtait pas d'appeler soutien, enfin c'est chiant. Et 20 grands 30 secondes, c'était assez easy. Là on va quand même continuer, bon, rang 1 on a tout fait, ce qu'on peut faire. Rang S on pourrait, mais voilà, c'est un peu dur pour le moment, je pense, on n'a pas encore... Tiens d'ailleurs, tiens, ça on n'a pas encore... Ouais, ça c'est... Les nouilles c'est pas encore rempli, d'ailleurs on pourrait peut-être aller le voir hein, le mec. Hein. Pareil. Ce sera fait vers la fin du jeu, ça. Très bien. Puis bon, ces 4 là, on fera plus tard, quoi. Voilà, c'est vraiment des combats difficiles, hein, j'ai vu un peu. Allez, donc là, on s'attaque à une ère nouvelle et alarmante, le chapitre de la recherche de Tsunade. Juste après la destruction du village de Konoha, les deux membres de l'Akatsuki, Itachi et Kisame, investirent le village à la recherche de Naruto. S'apercevant que quelque chose n'allait pas, Kakashi, Azuma et Kurenai décidèrent de barrer la route aux membres de l'Akatsuki. Et on va incarner Kakashi pour affronter Itachi. Alors ce match-là, je l'avais kiffé. Genre la technique que Itachi a fait, les arcanes lunaires, ça avait mis dans le mal Kakashi, mais d'une puissance. La destruction du village de Konoha a échoué et la paix est revenue. Mais il y a quelque chose de bizarre, j'ai un mauvais pressentiment. Quelle est cette tension ? Je crois que Maître Kakashi l'a senti, lui aussi. Restons sur nos gardes. C'était littéralement du Sharingan contre du Sharingan. Ténèbres inquiétantes. Nuages rouges terrifiants. Une ère nouvelle et alarmante. Gagner la bataille, tout simplement. Ok. Allez. Ah, mais là, du coup, on a Azuma et Kurenai en soutien. Itachi Uchiwa. Allez. Ok, Kisame est venu. Kisame aussi un très bon perso. Allez, Aikiri. Hop. Sayonara, j'adore le... Touk, touk, touk. Ok, je pense que ça se passe plutôt bien. Parfait. J'ai réussi à caler un ult. Let's go. Allez. L'éclair profondeur. Double éclair profondeur, d'accord. Parfait. Ah là là, quel combat. Bon, on n'est pas censé gagner normalement. Let's go. Alors, on va continuer, hein, vous inquiétez pas. Alors, alors, alors. Yeah. On a gagné 8 cerises. Rouleau secret apparu. On a un nouvel objet ajouté à la collection. Sac d'ingrédients apparu. Personnage d'info de mission. On peut toujours pas débloquer Itachi pour l'instant. Non. Bah écoutez. C'est quoi les conditions de bonus comme ça? Deux fois la technique de permutation et vaincre l'ennemi avec une technique secrète, c'est easy, ok, ça se fait. Un animal affronte un monstre. Ah, ça c'est Gai contre Kisame. Eh oui, Kakashi contre Itachi. Ce combat équilibré tournait peu à peu à l'avantage d'Itachi. Itachi, pour ceux qui ne savent pas, c'est le frère de Sasuke. Hein. En fait, Sasuke a une revanche à faire. Et il veut tuer son frère. Parce que, en fait, le clan Uchiwa a été massacré par Itachi. Je ne vous en dis pas plus. Mais voilà, donc Sasuke, du coup, a pour objectif de s'améliorer pour réussir à atteindre ce fameux combat contre son frère, son grand frère Itachi Uchiwa, afin de le tuer.
Jusqu'à ce que Gai de Konoha vint à la rescousse de Kakashi. Furieux, Kizame provoqua Gai en duel. Ouais, donc là, on doit gagner contre Kizame. C'est parti. Ne me dites pas qu'Itachi n'utilisait pas toutes ses capacités. C'est incroyable que Maître Kakashi puisse se faire battre. Avec l'aide de Maître Gai, il a tout juste réussi à survivre. Mais est-ce qu'il va vraiment bien? Et les adversaires sont toujours là. Kizame est incroyablement fort, lui aussi. Maître Super Gros Sourcil, protège Maître Kakashi, nous comptons sur toi. T'inquiète. Renfort, combat contre un drôle d'animal et un monstre. Allez. Ok. C'est parti. La panthère de jade de Konoha. Kizame et son épée Samehada qui absorbe le chakra. Bon, toi déjà, j'ai le meilleur perso du Taijutsu par excellence. C'est sûr! Moi aussi je peux appeler des gens en l'aidant. Attends, c'est quoi son ultime à Gai? Je suis curieux. Ouais. Mais non. Mais non. Mais c'est des barres son ultime, j'adore. Ah mais c'est franchement respect pour ça quoi. C'est trop ça. Mais ils lui ont fait un bon ultime. Je valide. Je peux juste rien faire en fait. C'est trop des barres. Allez hop. Oh là là, mais trop bien. Gai Maito, mais c'est son ultime, il fait des pompes sur le mec. Ah, je valide. Juste, ça m'a trop fait rire. Non, vraiment, pour le coup, ça m'a vraiment fait rire. Ah, vous vous rendez pas compte, mais... Waouh. Oh là là, vache. Trop des barres. On peut jouer Gai Maito, du coup. Voilà. Ok. Ok. Ah, mais c'est trop fun. Eh, j'ai kiffé ma race. Oh, putain. Un animal affronte un monstre. 4 coups supplémentaires sur l'adversaire à terre, ok. Y'a qu'une attaque secrète. Ok. Bon. J'ai envie de faire une petite... Voilà, donc on va stopper là pour le scénario. Voilà, j'ai jamais découpé comme ça mes épisodes. Parce que là, ça va être avec Jiraiya, ça va être autre chose. Allez, en vrai... Faut essayer, hein. Jiraiya a besoin que Naruto fasse une course. On ne sait pas exactement ce qu'il veut, mais allez le voir. Ouais, mais ça, on n'est pas censé avoir vu Kimimaro là. Kakashi et Hiruka parlent des futures méthodes d'enseignement de l'académie. Allez voir de quoi il en retourne. Ouais. Gaara, quand Kuro était marié, veut recommencer l'examen de Chunin. Découvrez pourquoi. Ça peut être bien ça. Je vais essayer. On va le faire, hein, on va tester. Mission de rang S, ça va sûrement être long, mais que voulez-vous? J'ai envie de faire un peu de mission, j'ai envie de jouer. En fait, je vais carrément à l'opposé. Genre, je fais absolument ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Bah tiens, il est là, lui. Est-ce que j'ai des plates données? Eh? Ah oui, parce que j'ai une mission en cours. Bon, Nick, c'est pas grave. Ouais. Tu me dis quand t'es là, hein. Quand tu veux à la mission, hein. Je sais pas qui c'est, mais... La personne n'est pas là. On me pose un lapin en hauteur.
Ah, c'est en hauteur. What the fuck? Ah, elle est en haut. Ah, ils sont là, garage, je l'ai vu. Mais la question c'est comment je fais pour y aller. Putain, j'arrive pas à monter mon gars. Mais frère! Ils sont chiants à les choper. Hein. Ok, c'est bon. Allez, go! Tu es venu. Hé, hey, Gara, salut Kankuro et Temari. Merci d'avoir fait tout ce chemin pour écouter notre requête. Alors, vous voulez une revanche? Oui, mais pas un combat officiel. Nous voulons juste montrer notre force de ninja de sable. Vous n'avez pas eu assez de combats? Il s'est produit quelque chose. Nous n'avons pas eu l'occasion de faire nos preuves. Oui, on veut montrer ce que l'on sait faire. Eh, hey, hey, comment refuser? Vous êtes prêts? Allons-y. Je suis impatient, Naruto Uzumaki. Du coup, on affronte Gaara. L'examen de Chunin non décisif, le village caché du sable lance un nouveau défi. Ok. Mais en fait, il n'y a qu'un seul combat, du coup. Bah go, hein, on va tester, hein. Mission de rang S, ça va être un peu compliqué. Faut vraiment s'attendre à ce que ce soit compliqué, hein. Je sais pas c'est quoi les conditions de victoire, on va voir. Gagner avec moins de... Avec au moins 50% de chakra restant. D'accord. Ok. Ça se... Il peut se substituer, ok. Permutation, si tu veux. T'es un peu chiant, mais why not, hein. Je vais recharger mon chakra. Voilà, comment t'esquives? En fait, ma question c'est comment on esquive cette attaque-là. Tombeau du désert, j'arrive pas à l'esquiver. C'est quand tu veux pour te faire muter, hein, connard. Bah, il m'énerve, en vrai. Putain, il m'a... C'est un truc de ouf, hein. Les missions de rang S sont compliquées, hein. Ce Gaara a une défense de chien. C'est aller vite ou c'est moi? Ok. On peut gagner, on peut gagner. Pense à régénérer ton chakra aussi, c'est important. Sinon j'aurai pas la victoire. Ouais, mais là il est trop fort. Bien joué ça. Bien joué Sakura. Oh mais à tes maris. Mode éveil. Vas-y go. J'ai oublié que le mode éveil était là. Mais incroyable. Putain, je me suis pris un KO bêtement. Ouais bah écoute, on va réessayer mec, hein. On est là, hein. Et on se fait enculer en fait. Mais quand je vous dis enculer sévère. J'adore. En fait, vous continuez. Ouais, je continue, vas-y. Oh,
Et non. Voilà, c'est comme ça qu'on esquive. Quoi? À quelle heure? Ah ouais, tu veux jouer le mec compliqué et tout. Oh putain, ouais, ça m'énerve. Il est trop fort. Trop fort ce gars, oh putain. Vas-y, on se fait enculer, putain. Mais il esquive tout avec son sable de merde. Oh là là, FF mental, hein, si c'est bon, fait. Il va se permettre là. Ouais, c'est lui qui en sort gagnant. Je vais me faire exploser la gueule. Mais il est intouchable. Ta mère. Putain, intouchable ce mec. Eh, je mets tout ce que je peux là dans la bataille. Oh. C'est bien une mission de rang S, hein. Ah ouais, mais vas-y, il perd tout, oh, il est trop chiant. Mais c'est impossible en fait les missions de rang S. Oh l'enculé de ces grands morts. Même en mode éveil, je me fais enculer. Et je crois que c'est voulu pour une galère en fait. Bien, pas mal. Esquive. Eh non, tu ne toucheras pas avec ton ombre du désert de merde. Voilà, tiens, prends ça. Ok. J'aurais pas dû avancer. C'est serré. Ok, cool. Ah, il m'a eu, putain. Bien joué à toi, frère. Tu joues bien, Gara, tu joues bien, tu joues bien. Oh, vas-y, la mission de rang S, là, compliqué sa mère. C'est possible de lancer une attaque un peu dans son truc de merde. Mais vas-y. Oh oui. Ce qui est bien, c'est qu'on le tuera pas en plus. Parce que du coup, il est pas presque low life. Et je peux charger mon chakra et pourriner, vas-y. En fait, il tank sa race. Merde. Pas de tombeau du désert.
Let's go. Il m'a eu. Putain! Putain, y'a rien à faire, bordel! Ah, il est trop fort. Trop fort. Franchement, il gère de ouf, gars. Hein. Ah, je pensais que c'était moi qui l'avais eu. Bon, écoutez, j'y arrive pas. Nique sa mère. J'y arrive pas, j'essaye tout et vas-y, c'est bon, ça m'énerve. Trop dur. On va tenter du corps à corps, hein. Je tente des styles différents. Hein. Voilà, là il se défend. Ta race, salope. Reste à Asuna, connard. T'es mort, il m'encule. En fait, il m'encule à sec. Vas-y, c'est bon, j'arrête. Annuler la mission. C'est bon, c'est trop dur. En vrai, c'est bon, attends. On donne les passages. Je vais faire full scénario, c'est bon, faut arrêter. C'est trop compliqué. J'arrive pas. C'est abusé! Ah, c'est bon, dégage, dégage. Dégage, ta gueule! La mission elle est encore disponible. Hein. Ah, t'inquiète, t'inquiète. N'aie crainte pour moi. Ah, je suis triste! En fait, c'est chaud, les gars. Eh, vous vous rendez pas compte, mais c'est trop galère. Je pensais que j'allais la faire haut la main. J'allais dire, un seul combat comme ça, c'était un peu trop simple. Ah ouais, non, non, c'est compliqué. Hein. Très compliqué. Bah, you. Ah. Le troisième Kage est mort, c'est dur à accepter, c'était un homme bien. Ne nous laissons pas abattre. Oublie ta peine immédiatement, d'accord? L'autre jour, on se demandait quelle Nouvagénine est le plus rapide et saute le plus loin. Ah, allez, je vais la faire. Celle-là, je vais la faire. La maîtrise du saut. Un bon ninja doit avoir des capacités de saut supérieures. Entraînez-vous à sauter pour gravir les échelons. Collectez les objets cibles en moins de 60 secondes. Ok. Bah go hein. Au moins une mission qui a de portée. Celui qui saute le plus loin, hein. Eh, hey, je parie que je peux le battre avec le multiclonage. Très bien, c'est l'heure de s'entraîner. La maîtrise du saut traverse les cieux Naruto Uzumaki. Bah go, on va essayer. Hein, passez à travers les anneaux pour collecter le nombre indiqué de rouleaux. Utilisez le canon Naruto pour franchir les anneaux flottant dans les airs. Ok, ça a l'air marrant comme jeu. J'ai raté. On va réessayer. Bon, c'est un jeu où faut viser quoi, en gros, grosso modo. Merde. Je suis pas habitué à cancel. Bon, vas-y, on refait, on refait, on refait. En fait, faut viser. Ok, parfait. Là tu te places.
Bien joué. Non, j'ai pris le mur. En fait, il y a la caméra à gérer aussi là. Mais putain! Il est marrant ce mini-jeu, mais vas-y, il est trop dur. C'est pas grave si on saute dans le vide et... Moi je pense qu'il faut s'approcher au max. Tant pis, vas-y, je tente. Oh non, il m'en manque une. Oh, c'est terrible. Oh, allez, on essaye. Ça, c'est facile. Ok, on enchaîne bien. Je crois qu'on n'est pas censé... Hein? Qu'est-ce qui... facile, ok, on a 8. Ça, c'était pas trop galère non plus. Let's go. Oh, j'ai raté. J'en suis à 16 comme tout à l'heure. Ok. Qu'est-ce qui bloque? C'est galère ou c'est moi? Ouais, truc bonus, c'est le faire en moins de temps, quoi. Allez go, vas-y, on tente. Ah, j'ai réussi. Bah écoutez, tant mieux hein. Mission de rambée terminée. Je ferai en off les trucs bonus et voilà. Ok, bah cool. Parfait. Oh, dur. Bon, du coup, non, on va stopper la vidéo ici. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu. Hein. Voilà. On aura fait une mission de rambée. Je m'amuserai à le faire en off avec les autres missions qu'on a fait principales là. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.